en France, il est interdit de vendre des biens immatériels. Et donc, on a matérialisé ce premier SMS avec ce cadre numérique qui, en fait, affiche le code, le protocole qui a permis l'envoi et la transmission de ce premier SMS. Neil Papworth, ingénieur dans l'équipe, s'est installé derrière son ordinateur le 3 décembre 1992 et a envoyé ce SMS à un directeur de chez Vodafone au Royaume-Uni. Ils étaient en train de faire un événement de fin d'année et donc il lui a envoyé le message Merry Christmas. Alors, il l'a reçu sur un Orbitel, un gros téléphone qui fait près de 2 kilos. Et donc, ce téléphone a reçu le message, mais il a été envoyé, par contre, depuis un ordinateur. Les téléphones n'avaient pas de clavier à l'époque pour pouvoir envoyer des messages. Et donc, ça a été envoyé depuis un ordinateur.